مناورات الحماية المدنية سيماكس 2018 حول افتراض وقوع زلزال بقوة 7 درجات على سلم ريشتر بولاية البويرة انطلقت اليوم بتشكيل خلية أزمة وإرسال نداء استغاثة دولية، حيث تهدف المناورات لتقييم جاهزية سلسلة العملياتية للتدخل والتنسيق مع الفرق الأجنبية. L'objectif, c'est que ces protections civiles, les personnes qui vont s'impliquer dans cet exercice, travaillent, apprennent à travailler ensemble, établissent des procédures qui vont permettre, lorsque un tremblement de terre ou un désastre naturel arrive dans n'importe quel pays, ils soient prêts à travailler ensemble. De pouvoir acheminer dans des temps réels un maximum de moyens de renforcement des moyens algériens, si malheureusement, ce que je n'espère pas, il y avait une catastrophe majeure. Et pour cela, nous avons testé à la fois le transport maritime et du transport aérien, avec des projections de modules par voie terrestre après sur le territoire algérien pour faire face à cette situation. المدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى الهبيري وقف على مدى جاهزية فرق التدخل الجزائرية وعلى مدى إحكام التنسيق مع الدول الأجنبية. On va dire qu'on a une secousse, légère, et puis on s'arrête, et puis quand on a besoin d'étrangers, ils viennent, ils nous intègrent, et on a la même méthode de travail, donc les mêmes principes, l'Algérie s'intègre un petit peu sur tout ce qui se passe chez les Européens. المناورات الافتراضية التي ستستمر 6 أيام ستفعل خلالها كل بروتوكولات التدخل في الزلازل وما ينجم عنها من كوارث جانبية على غرار الحرائق، انهيار السدود والحوادث الكيميائية الخطرة.